J'ai commencé ma carrière d'artiste ici. On est dans le local que j'ai loué en 2001, juin 2001. Alors, ça fait toutes ces années-là que je développe de façon autodidacte un travail d'abord d'illustratrice, de peintre par la suite, ensuite plus d'introduction de métiers d'art, de d'autres matières et dernièrement une collection toute nouvelle de terre et de bois. Et puis, on sent aussi mon trait illustratif. Alors, voilà. Mais d'abord, le processus va venir d'une réflexion. Parce que je suis une personne, et je m'aperçois avec le temps, une personne qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup la société dans laquelle j'évolue, dans laquelle on évolue. Et puis, ce que j'essaie d'en faire, c'est d'abord faire voir la beauté de ce monde-là. Parce que j'ai l'impression que quand on fait voir la beauté, sa vulnérabilité aussi, bien, j'ai comme l'impression qu'on a envie d'en prendre soin. Fait que ça, c'est un peu le processus que je porte. Quand je peins, bien évidemment, il y a des techniques qui sont amenées. Évidemment, je les ai apprises par moi-même, j'ai profilé tout ça. Quand je fais la nouvelle collection des métiers d'art, c'est aussi en rapport avec mon lien à la terre, en rapport avec ce que j'observe. Alors, tu sais, de récupérer la matière, ça fait partie aussi du processus créatif. Et heureusement que j'ai un véhicule aussi beau et aussi créatif pour exulter un peu de ça. C'est ce qui fait que la beauté arrive, heureusement. La motivation, je la trouve encore après 15 ans, tous les jours, parce que quand tu travailles en art visuel, bien d'abord, c'est vu. C'est reçu par une population, par des gens. Et puis, comme j'ai un art généreux, puis j'ai un art assez messager, hein, comme on a parlé, et puis, mon travail m'a amené beaucoup à travailler avec les écoles, avec les enfants. Et puis, une motivation que j'ai, c'est de partager d'abord l'amour que j'ai pour le travail d'être artiste, mais aussi mon amour pour la terre. Alors, j'ai fait plusieurs murales dans les écoles, sur la rue Saint-Paul. Et puis ça, c'est, je me dis, mon Dieu, que je suis, c'est un privilège d'avoir accès aux enfants et de leur partager ça. Alors ça, ça fait partie de mes motivations. Parce que, en fait, les enfants, c'est toute la relève de demain. Alors, c'est dans un geste très généreux que je fais ce métier-là. Et puis, c'est ce qui me motive aussi souvent de continuer à le faire. Alors, après 15 ans, j'ai encore plus envie de continuer. Alors, c'est très stimulant et très motivant.